C'est mon deuxième film sur le château de Lorge. Et je pense que ce ne sera pas le dernier. C'est une propriété privée, un endroit magnifique. 72 hectares de bois, 4 étangs. Le château de Lorge est situé à moins d'un kilomètre de l'ermitage Lorge, dans les Côtes d'Armor. Il est inscrit au titre des monuments historiques. Vous n'allez pas voir que la faune sauvage, mais aussi tous les travaux, les transformations qui embellissent ce lieu magique. J'adore y aller, quand je peux. Je connais bien la route, à peine 20 km, ce n'est pas trop long. J'y suis venu en toute saison, hiver, printemps, été et automne. Je commence à bien connaître les alentours du château. J'y vais peut-être rencontrer la faune sauvage. Pour ce film, j'ai tourné beaucoup d'heures de vidéo pendant plus d'un an, et ce n'est pas facile de le réduire. 4h30 de bonnes images. Au bout d'un chemin, j'ai la chance de rencontrer deux chevreuils. Heureusement qu'ils ne m'ont pas repéré. Je pose mon caméscope sur un trépied, au milieu du chemin, et je me cache. Lorsque je pratique le cinéma animalier, je prends grand soin de ne pas compromettre une couvée ni de provoquer la fuite de ces chevreuils. Ma passion pour la vie sauvage, celle des animaux, des oiseaux, me conduit à pénétrer dans leur espace de vie, à m'y fondre, embusqué, immobile et silencieux, durant des heures, au petit matin ou au jour couchant. Car connaître le monde animal ne suffit pas. Si l'attente est longue, lorsque le sujet est là, tout va très vite. Avec de bons yeux, on peut même apercevoir un grimpereau qui monte le long du tronc d'arbre. Ces chevreuils, et maintenant ce chevreuil, je les ai filmés pendant plus de 10 minutes. Et puis à la fin, je me suis montré. Il est très surpris de me voir. Les minutes sont longues pour lui et pour moi. Ah, si j'avais été un chasseur! Je sais pertinemment qu'un affût consciencieusement préparé n'est pas une garantie de succès. Ainsi, rien n'est plus motivant que la bonne fortune surgit au détour d'un chemin au moment où l'on s'y attendait le moins. Une douce chaleur envahit le corps et l'esprit fourmille pour ne rien rater de l'aubaine qui se présente.
Un héron cendré prend la fuite à mon approche. C'est un oiseau très craintif. Ici, tout est sauvage. Même le simple canard colvert. Pas question de lui donner du pain pour le faire venir. C'est même un exploit de le filmer. Je vous présente Florent Lamour. C'est la personne qui entretient le château et surtout l'extérieur. Et croyez-moi, il a de quoi faire. Je suis venu souvent tôt le matin. C'est là que je suis en communion avec la nature. Pas un bruit. Le calme. Une buse variable survole son territoire. En ce dimanche matin, je ne suis pas seul en ces lieux habituellement si tranquilles. C'est la rando du Lié qui traverse la propriété. Bonjour les gars. Ça va? Bonjour. Même pas le temps de regarder le paysage. Les premiers vont vite, mais les autres prennent un peu plus le temps d'admirer ce parc magnifique. Retrouvons le calme habituel avec cette faune sauvage. Ici, tout est sauvage, même les chats. Dans certaines parties des dépendances du château, les chats peuvent entrer. Et par exemple, la chouette effraie ne peut s'installer car le chat est le grand prédateur des oiseaux. Mais ici, les chats ne peuvent venir, pas d'escalier. Et j'en suis sûr, la chouette effraie est là-haut, un véritable refuge, un vrai biotope pour elle. Comme chaque hiver, une bande de cormorans vient se régaler dans ce plan d'eau. C'est un oiseau sociable. Il se nourrit généralement en solitaire, mais peut former des groupes sur les zones particulièrement poissonneuses. Les individus ont tendance à se percher et à voler en communauté. Ce matin, tout est gelé, même les plans d'eau.
Je suis à l'endroit même où j'avais filmé l'année dernière un renard. Mais cette année, toujours rien. Je vous repasse ce petit film. Un grand moment d'émotion pour moi. Le héron n'a guère d'ennemis, d'autant qu'il est protégé depuis 1974. C'est pour cela que sa population augmente. Des sarcelles d'hiver viennent de s'envoler. Heureusement qu'il en reste encore quelques-unes. Ce plan d'eau est aussi gelé.